Ça, c'est une cyberattaque dans un hôpital. Mais pourquoi l'hôpital est autant la cible de cybercriminels ? Bon, déjà, petite explication sur une cyberattaque. En fait, il y a des dizaines de techniques pour pirater un système informatique, mais la plus classique, c'est l'erreur humaine. Comme l'ouverture d'un mail piégé, par exemple. Une autre assez classique, le déni de service. Le principe, c'est de submerger un système informatique avec un tas de demandes ou de données pour que celui-ci ne réponde plus. Donc là, il est cassé et on peut y accéder. Mais pourquoi les hôpitaux ? Parce qu'en fait, les hôpitaux, c'est une mine d'or. Numéro de carte vitale, numéro de carte bancaire, adresse, bref, ça nourrit un tas de réseaux d'arnaques comme le trafic de cartes ou l'usurpation d'identité. Et puis, le système informatique hospitalier est vraiment vieillissant et ça, c'est pas un secret. Par manque de moyens, le matériel est ancien et le personnel dédié à la sécurité informatique est insuffisant. Mais depuis que des cyberattaques ont lieu à répétition, des sommes importantes ont été consacrées à la cybersécurité dans les hôpitaux. Pour autant, former du personnel qualifié, ça prend du temps et revoir tout un système informatique, ça prend du temps aussi.